Une autre question qui nous est parvenue, et on va terminer par là, sur le hashtag Radio Ouverte. Le mot pénurie, on l'utilise beaucoup en ce moment dans les magasins alimentaires, dans les pharmacies. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a un problème d'approvisionnement des distributeurs automatiques de billets ? Non, je veux le dire très clairement ce matin sur Europe 1. Grâce notamment à des hommes et des femmes de la Banque de France qui sont mobilisés aujourd'hui dans nos caisses, où se trouvent les stocks de billets. Nous avons 35 caisses ouvertes sur le territoire. Les transporteurs de fonds aussi travaillent. Et donc tous les distributeurs de billets sont alimentés sans aucune pénurie en France. Et ils le resteront. Nous observons d'ailleurs, Mathieu... Je précise, Mathieu Béliard, ce qui doit... Encore rassurer ceux qui nous écoutent que nous observons une diminution forte des retraits de billets depuis le confinement, ce qui est assez logique, une diminution de 40 à 50%. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir sur l'alimentation de tout le territoire en billets de banque.